Éco-Yachting, Éco-Yachting Nicolas Venance, Éco-Yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-Yachting, un Éco-Yachting en direct de Canet-en-Roussillon. Je suis devant les locaux de Passion Nautisme Import. Passion Nautisme Import, c'est une société qui distribue 5 marques de bateaux de plaisance en France, qui les importe et qui les distribue. Je vous propose de rencontrer son patron Sylvain Ortiz pour nous parler de sa démarche d'importation et de motorisation de bateaux. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Alors Sylvain, fin d'après-midi. C'est ça. Voilà, il fait déjà nuit sur Canet-en-Roussillon, mais ça ne nous empêche pas de travailler. C'est ça. Ah oui, tout le monde vous connaît dans le nautisme, hein, jusqu'au bout. Hein. Alors Sylvain, vous avez monté il y a quelques années Passion Nautisme, vous êtes une concession de bateaux. Et à partir de ce développement, ressentant les besoins du marché, vous avez décidé d'importer des marques. Aujourd'hui, avec Passion Nautisme Import, vous en importez 5. Pouvez-vous nous les présenter, ces marques? Donc oui, on a fait le choix d'importer des marques de bateaux parce que en termes de distribution, on n'était pas forcément satisfait de ce qui existait déjà. Donc on a voulu apporter notre petite touche à nous sur la manière de faire. Et donc on a démarré avec les Fisherman Sea Game. Les Fisherman Sea Game, ça c'est incroyable. C'est du semi-custom appliqué au sport fishing. C'est ça. On a déjà pu les découvrir ensemble d'ailleurs. Et donc sur lequel on a vraiment bien percé sur la Méditerranée déjà. On va pas tarder à commencer à attaquer sur l'Espagne. Après, en parlant d'Espagne, justement, on importe aussi Nuva Yacht. Alors Nuva, hein. Ça c'est des bateaux au design incroyable. C'est ça, ouais, et trappe droite. Et sachant que là, on sort le M9 qu'on présente à Barcelone, qui a été élu, qui a été nominé bateau de l'année. Donc, qui est plutôt une bonne nouvelle pour la marque, quoi. Donc ça c'était les deux premières marques qu'on a commencé avec Passion Nautisme Import. Et à suivre, voilà, maintenant on importe les marques du groupe Guaraccio, donc les semi-rigides Thor. Alors on les a découverts à Cannes. Et alors incroyable rapport qualité-prix. Voilà, on est vraiment sur un marché. On va se concurrencer à Capelli, à des marques phares comme celle-ci, où on a un produit vraiment, vraiment sympa, hors capenné, tout ce qui va bien en finition, mais avec un rapport qualité-prix dingue. Ouais, en prix, on est plutôt bien placé. Et le plan de pont est intéressant. C'est des bateaux qui ont un accès à la mer hyper facile, de grandes plages de bain. Ouais. C'est vraiment un bon produit, quoi. Et puis c'est un chantier, ils sortent 200 bateaux par an, quoi. C'est ça. Et là, ils viennent d'investir dans du matériel numérique pour fabriquer tout ce qui est moule et ce qui s'ensuit jusqu'à 10 mètres de long. Ce qui fait que ça va leur donner une liberté dans l'ajout de nouveaux modèles, ça va être assez intéressant. D'ailleurs, à Paris, on présentera une nouvelle coque, si tout se passe bien dans les délais. Donc, tu nous feras découvrir ça également. Ouais. Alors, donc là, c'est Thor et deux autres marques. Et donc, les Huracan, donc ça, c'est les WA, hein, la gamme Sundeck. Et après, on a aussi la marque Jaguar, où c'est tous les Open. Ah, et donc, tous ces bateaux sont hors-bord, en fait. Essentiellement du hors-bord. Et alors là, vous avez une stratégie, on va s'avancer un peu pour découvrir votre stratégie, parce que toutes ces marques, vous auriez pu vous contenter de les importer et de les livrer peut-être pré-riguées et encore. Non, vous avez décidé de mettre en place une stratégie complète, hein, en termes de motorisation. C'est ça. L'idée de la stratégie, c'est que par notre positionnement de Passion Nautisme, notre concession Mercury, ça a été d'imposer à notre clientèle la marque numéro 1, c'est-à-dire Mercury, par sa position de leader, quoi, et de développement, où aujourd'hui c'est la meilleure marque sur le marché en termes de motorisation, et il se concentre que sur ça, quoi. Donc en fait, tous les bateaux que vous allez commercialiser au travers de votre réseau de distribution, ils sont déjà équipés d'un moteur. C'est ça, on les pré-rigue forcément de Mercury, quoi. Ils vont de quelle taille à quelle taille, vos bateaux? Bon, on démarre de 5 à 11 mètres. Ouais, donc dans la gamme Mercury, quand on regarde un petit peu le panel de moteurs, vous avez un beau panel moteur en concession. On en a quelques-uns, mais en ce moment, c'est un peu compliqué pour avoir à peu près toute la gamme, quoi. Ouais, enfin, il y en a quand même un certain nombre. Parce que là, vous avez du 9,9 au 225, je crois. Voilà. C'est ça, on a encore quelques 350, mais on n'a pas tout forcément en magasin. Et ça, en fait,
Vous êtes aussi atelier mécanique, c'est-à-dire que vous avez effectivement, entre l'importation et l'équipement du bateau, vous avez toute la compétence pour faire en sorte que votre concessionnaire derrière, quand il reçoit le bateau, c'est quasiment prêt à livrer. C'est prêt à livrer, on peut même aller jusqu'au carénage, c'est-à-dire que notre réseau de distribution, ils ont le choix de garder un petit peu Service. de service ou à contrario, s'ils sont débordés, on peut assurer nous-mêmes via nos locaux tout le service global où ils ont vraiment du clé en main, quoi. Oui, parce qu'ici, sur Canet-en-Roussillon, vous avez l'atelier mécanique, vous avez ici le magasin, les bureaux d'importation et l'atelier de préparation des bateaux. C'est Vous ça. avez tout, en fait, vous êtes totalement autonome. C'est ça, ouais. On a vraiment de quoi faire de A à Z, aussi bien en carrosserie, mécanique, inox, on n'a pas de limite. Pas de limite. Alors, on parlait des différents bateaux que vous allez lancer. Je vois le Ouais. sourire en coin. Je crois qu'à Paris, il y aura quelques surprises. Donc à Paris, oui, chez Seagame, on risque d'avoir de belles nouveautés à vous faire voir. Mais dans toutes les marques, on va avoir de nouveautés assez sympas, quoi. Ah, des Et nouveautés d'ailleurs, dans toutes quelle les marques seront direction chez représentées. Seagame? Parce qu'à Cannes, sur Seagame, vous aviez un bateau avec une tour de pêche, là, c'était C'est ça, ouais. impressionnant. C'était pour faire un petit peu le buzz. On avait amené une Tuna Tower. Ouais. Et là, on va faire deux modèles différents encore sur Paris pour toujours apporter des nouveautés, quoi. Dans quelle direction? Hein? Peut-être un peu plus habitable, un peu plus voyage. Ah, chers On amis, verra. là c'est Il faut intéressant. venir à Paris pour avoir plus. D'accord, et vous aurez aussi quelle autre marque présentée à Paris? Alors à Paris, il y aura Cannes, on aura Thor, on aura un Jaguar normalement, et on exposera Nuva aussi, le M6. On va exposer un M6 Black Edition. Très impressionnant quand ils sont en noir, hein, c'est Nuva. Ouais, en couleur, c'est sympa. Ouais. Donc il y aura de quoi avoir quand même pas mal de produits, quoi. Vous, en fait, vous développez des marques qui ont un ADN fort à chaque fois. Ouais, nous l'idée c'est pas de travailler un volume 500 bateaux à l'année, les chantiers ne seraient pas capables de le faire. A contrario, on essaye d'avoir des bateaux souvent custom ou qui ont une ADN à part. Et justement, on n'achète pas le bateau de Monsieur Tout le Monde, quoi. C'est quand on achète des bateaux des marques qu'on distribue, bon, bah, la clientèle elle peut se positionner en ayant un produit premium, quoi. Le premium, c'est important. Alors aujourd'hui, vous êtes très très diffusé en Méditerranée et 2023, c'est l'année de l'Atlantique. C'est ça, ouais. Donc par notre positionnement à Canet, forcément, à la Méditerranée, on connaît beaucoup de monde, donc c'est très facile de créer le réseau. En Atlantique, c'est plus compliqué puisque c'est plus loin et on n'est pas forcément connu de ce côté-là. Donc effectivement, oui, on se doit de développer sur 2023 à l'Atlantique, quoi. C'est une priorité. Priorité. Vous serez dans votre voiture en 2023. C'est ça. Les kilomètres vont s'aligner. Merci beaucoup, Sylvain. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un très beau panoramique hein, sur cette petite gamme Mercury présente dans le hall d'exposition Passion Nautisme et Passion Nautisme Import. À très bientôt sur EcoYachting.